Hello! J'espère que vous allez bien. Bon, désolée, j'ai un peu la voix. Un peu enrouée. Ça fait un moment que j'ai pas filmé. Ça fait environ une semaine, je crois. Donc, nous sommes dimanche aujourd'hui. Donc, je vous fais cette petite vidéo. Je sais pas trop combien de temps elle va durer. Mais donc, c'était juste pour vous donner des petites nouvelles. Pour vous dire, là je pense que j'ai eu le temps de réfléchir cette semaine et donc j'ai décidé de pas d'arrêter YouTube, les vidéos et tout ça, mais je pense sincèrement, je pense qu'il est temps que je coupe cette chaîne. Voilà, je vais pas supprimer les vidéos, mais je pense que je vais ne plus être active sur cette chaîne, tout simplement parce que je pense que voilà, j'ai fait mon temps. Ça fait plusieurs jours que je réfléchis et je pense que ça sera bien pour moi, pour mes objectifs personnels. Et je pense que ça sera bien aussi pour les personnes qui me suivent de couper les liens. Voilà. Bon. Bien sûr, les personnes, mes copines et tout ça qui regardent mes vidéos, on se retrouve sur Instagram et Messenger, hein, ça y est, pas de souci. Mais je pense sincèrement qu'il est temps pour moi de couper les ponts et de faire une transition. Voilà. Alors, pour les personnes qui se posent la question, alors non, je vous donnerai pas ma nouvelle chaîne. C'est mort. Voilà. Ou bien je le donnerai aux personnes qui me suivent sur Messenger ou sur Instagram, les personnes fiables en qui je peux avoir confiance et qui sont vraiment sincères avec moi, n'est-ce pas? Qui sont pas qui voilà, qui sont fiables tout simplement. Parce que je vous dis sincèrement, moi j'ai plus le temps de m'attarder sur les personnes qui sont égoïstes, égocentriques, qui ne pensent, qui sont toxiques, que ce soit pour moi ou pour eux. Voilà. Voilà, je me suis dit, garder cette chaîne, ça pourrait être une bonne idée parce que voilà, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé dernièrement. J'ai eu pas mal, enfin, dernièrement, ça remonte à maintenant presque un an que j'ai repris ma chaîne. Et je me suis dit, ça, avec le confinement, bon, j'avais pas grand chose à parler de santé, pas grand chose à raconter. Et donc voilà, je me suis dit reprendre de ma chaîne, enfin mon ancienne chaîne du coup, ça peut être une bonne idée, un bon passe-temps, et voilà. Et en fait, je me dis que là, il est vraiment temps que je fasse une transition, vraiment une transition sur tous les plans, hein, je vous le dis sincèrement. Je pense qu'il est temps pour moi de prendre de l'avant, on va dire ça comme ça. Voilà, et je pense sincèrement qu'il est temps que je coupe différents trucs dans ma vie et ma chaîne YouTube. Je pense qu'il est temps que j'arrête de poster des vidéos sur cette chaîne. Alors, non, je ne noterai pas ma nouvelle chaîne. Je la mettrai pas en barre d'infos parce que de toute façon, j'ai pas encore créé. Mais je vous dis sincèrement, c'est un projet et donc je ne ferai pas ma nouvelle chaîne avec mon adresse mail actuelle, voilà, tout simplement, parce qu'en fait, j'ai créé une nouvelle adresse mail il y a de ça maintenant quelques mois, parce que voilà, sur YouTube, faut savoir, il y a quand même des personnes qui sont assez spéciales. Il y a 2 ans en arrière, j'ai eu le clou, il y avait une personne de mon entourage qui était un hiker. Donc je m'étais dit j'ai gardé ma chaîne et tout ça, mais j'ai changé mon adresse mail. Mais malheureusement, maintenant, il y a aussi des personnes un peu perverses, on va dire, qui ne comprennent pas le français. Quand on dit laisse-moi, non, ils continuent à harceler dans la vraie vie, sur YouTube, par mail et tout ça. Et donc moi, personnellement, je ne peux plus. Je suis tolérante, je suis gentille, je suis tout ce que vous voulez, mais moi, maintenant, je pense que je vais. Enfin, ça fait maintenant quelques temps maintenant que j'ignore. Voilà. Et je pense que c'est la meilleure solution, et je pense que
stopper ma chaîne YouTube, cette chaîne YouTube, et ne pas donner ma nouvelle chaîne. De toute façon, elle n'est pas encore créée, donc voilà. Mais je préfère le dire dans une vidéo, comme ça les personnes qui me suivent viendront ou seront au courant. Et puis les personnes qui me suivent, et ben vous inquiétez pas, je vous dirai ma nouvelle chaîne. Et je pense sincèrement que ça me permettra de faire une bonne transition dans ma vie. Une bonne transition sur tous les plans, parce que je vous avoue que le transition, je vous avoue qu'en ce moment, le mot transition, en ce moment, c'est vraiment le mot qui pourrait décrire ma vie. Je suis en pleine transition. Et je vous avoue que ça fait un peu peur. Mais je suis consciente et je pense sincèrement que ça va me faire du bien. Voilà. Et déjà là, je le sens que ça me fait du bien. Voilà. Donc voilà, je voulais juste vous le dire. Donc là, j'ai pas de sujet particulier, même si j'aurais envie de faire des contenus, d'exposer des sujets. Je vous dis sincèrement, j'ai pas envie de passer mon temps à faire une vidéo YouTube, partager des sujets, donner des conseils. Si en remerciement, j'ai des personnes qui ne me respectent pas. Voilà, tout simplement. Je suis arrivée au stade où vraiment j'en ai marre. Et le mot tolérance pour certaines situations, on va dire ça comme ça, je suis désolée, mais non. Et là, je sais que ma chaîne YouTube, c'était sympa, c'était bien, mais là, je sais que. Là, j'arrive à la fin de cette chaîne YouTube. J'en ferai une autre, c'est pas grave. C'est qu'un détail. Je ne sais pas quand, mais là, je sais que j'arrive à la fin de. À la fin de ma patience et de ma tolérance et par respect pour moi-même. Je pense que ce sera plus intéressant de faire une autre chaîne avec d'autres sujets. Et donc voilà. Voilà. Donc je pense que je ferai toujours les vidéos là où je tourne mes vidéos d'habitude. Mais pour les personnes qui me cherchent, voilà. Faut savoir que je suis en pleine transition dans ma vie en général. Et donc beaucoup de choses ont changé. Donc voilà. Voilà. Donc c'était pour vous dire que en gros je fais du changement dans ma vie. Et donc si vous voyez que je suis plus active là sur YouTube, et ben ne vous inquiétez pas, je suis sur Instagram. J'ai essayé de faire des stories. Mais voilà. Ça arrête vraiment. Je pense qu'il est temps. Il est vraiment temps. Voilà. Mais vous inquiétez pas, tout va bien pour les personnes, pour mes copines qui regardent mes vidéos, vous inquiétez pas, je vais bien. C'est juste que j'ai besoin de. De toute façon, je pense que vous serez d'accord avec moi, les personnes, les copines qui regardent ces vidéos-là, je pense que vous serez d'accord avec moi. Voilà. Donc bah écoutez, je vous embrasse. Bah je dis à bientôt pour les personnes qui me parlent sur Instagram et Messenger. Je vous embrasse et je vous dis bonne continuation à tous. Et voilà. Et surtout, quand vous sentez qu'il est temps de changer vos méthodes de vie, de faire une transition, surtout n'hésitez pas à le faire. Et surtout, s'il y a des personnes qui essayent de vous en empêcher, je vous conseille juste, vous occupez pas des personnes toxiques. Et ignorer, voilà. L'ignorance est le meilleur des mépris. Et c'est quand moi je sais que là, je compte ignorer des personnes. Et je sais que ça va être que bénéfique. Et déjà là, en l'espace de 2-3, non pas 2-3 jours parce que vous avez un peu court. En l'espace de 5 jours, là, je sais que. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en l'espace de ça de 5 jours et. Et en plus, je suis contente parce que les personnes que je prends comme modèle,
m'ont vraiment encouragé et m'ont vraiment félicité pour cette transition, on va dire. Donc voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Et je sais pas comment je ferai pour faire ma pub pour ma nouvelle chaîne, mais d'abord il faut que je me mette en sécurité. Que je me mette en sécurité pour éviter les personnes un peu voilà qui voilà les profils ne sont pas bons on va dire me mettre en sécurité et après ça je verrai mais du coup voilà c'était juste pour vous prévenir je vous souhaite une bonne continuation je vous embrasse et donc voilà si vous voulez mes nouvelles, c'est surtout c'est sur Instagram et Messenger. De toute façon, vous avez mon profil, hein. Et donc, voilà. Est-ce que j'avais autre chose à dire? Je pense que c'est bon. Ouais, je pense que c'est bon. Voilà. Donc, surtout, rappelez-vous bien de cette phrase. Le meilleur des mépris, c'est le silence. Et surtout, quand vous avez décidé de faire un changement dans votre vie, s'il y a quelqu'un qui essaye de vous en empêcher, et bien surtout, ignorez. Ignorez, ignorez, ignorez. Parce que si vous vous attardez sur des personnes qui essayent de vous retenir, qu'importe le sujet, ben, vous n'y arriverez jamais. Et donc, voilà. Donc, surtout, ignorez. Voilà. Allez. Ciao!